Une semaine à Manga, l'aventure s'achève aujourd'hui avec des pas de danse atypiques de la cité de l'Épervier. Cette danse est le Djentjéré et elle est réservée à la confrérie des guerriers. Dans l'ancien temps, ils étaient les garants de la sécurité au palais et dans tous les cantons de Manga. Aujourd'hui, cette danse est perçue comme une richesse culturelle de la cité de l'Épervier. Voici quelques pas de Djentjéré avec Urbain Benito Sommet et Karim Bichenga. Saurait était à l'époque des conquêtes que toute la ville de Manga serait en réjouissance, à l'écho de la musique retentissant ainsi. Pendant les conquêtes, cette danse célébrait les victoires des guerriers du canton de Manga sur les ennemis envahisseurs. La danse s'appelle Djentjéré, une danse née pendant des batailles pour l'affermissement du canton. Nous n'avons pas connu les débuts du Djentjéré. Ses initiateurs étaient les guerriers du canton. Ce sont eux qui protégeaient la cour royale comme tout le canton de Manga. Son avènement s'est fait pendant des batailles et des gens ont perdu la vie. Quand des conquêtes est passé, le Djentjéré demeure, mais n'esquisse pas ses pas de danse qu'il veut. Elle est une chasse gardée d'initiés, opérant sous la coupe du Samnaba, un des ministres de la cour royale. Plus qu'une danse, le Djentjéré est un culte auquel des personnes extérieures peuvent s'initier. L'initiation peut avoir plusieurs raisons. On peut s'initier pour des besoins de maternité ou de protection. Une fois initié, tu ne dois plus convoiter la femme de ton confrère. Tu as obligation de solidarité avec les membres du groupe, sous peine de châtiment allant jusqu'à la mort. Comme toute autre valeur, le Djentjéré est confronté à l'influence des autres cultures. Mais jusqu'ici, il tient grâce aux devanciers. Des jeunes également attachent du pli au maintien de cette tradition. Nous nous attachons à cette tradition parce que c'est notre héritage. Nous n'avons jamais regretté de l'avoir pratiqué. Nous risquons même d'avoir des difficultés en l'abandonnant. Cette partie de Djentjéré a lieu dans la cour royale de Manga, sans le Samnaba, dépositaire de la danse. Il a tiré sa révérence 2 semaines plus tôt. Les ministres de la cour en ont officiellement informé le chef du canton, Naba Kiba II, la veille. Le groupe est conduit ici par Saïdou, le fils aîné du défunt ministre.